Chase! Salut, Ellie. Je peux vous aider? Est-ce que Frank est dans le coin? Il est censé me rendre un service. Désolé, je n'ai pas de nouvelles de lui. Oh, au fait, avez-vous entendu parler d'un vol à la mine Bluebell? Bien sûr. Mon oncle Duke m'a emmené avec lui. Des voyous ont pris tout un tas de matériel, mais Dunby nous a retiré l'affaire avant que nous ayons pu interroger le témoin. D'après lui, ce n'était qu'un vieux fou. Il y avait un témoin? Oui, un vieux gars excentrique. Attendez... Clarence Fletcher. Ses amis le surnommeraient le putois. Chouette, hein? Merci, Ellie. Il se pourrait que ce putois sache qui sont les complices de Rex hors de prison. Oh, et je tâcherai d'ouvrir l'œil pour Frank. Et essayez donc de prendre le train à la gare de Cherry Tree Hills. Vous atteindrez la mine bien plus vite. Quoi de beau, quoi de neuf. Pas si vite! L'article 4, alinéa 5 du règlement des mines interdit l'accès de la mine à toute personne non autorisée. Ne mets un pied dans... Oh, mon service est terminé. Je cherche Clarence Fletcher, dit le putois. À l'autre bout de la grotte principale. Vous pouvez pas le manquer. Moi, il me manquera pas quand il sera parti d'ici. Eh, leve-la. Allez, vas-y, souffle-le. Avec la dynamite. Oh. Ah, ben, merde, Crudy. Bon. Lequel d'entre vous a encore fait ça? Pour la dernière fois, arrêtez de jouer avec la dynamite! Oh! Et vous? Enfilez un équipement de sécurité! Affirmatif, chef!
Saura-t-on un jour pourquoi les gars qui ont cambriolé la mine ont pris ce matériel? Hein? Ils n'ont pas fini de construire les rails? Je vais pas bouger mon chariot de dynamite alors! Plus attention dans ce tunnel instable. S'il avait été un mineur futé, il se serait dégonflé, mais ne serait pas tout plat maintenant. Mon quota ce mois-ci, et je dépenserai ma prime dans une de ces stations thermales où on se fait bichonner. Cet immeuble que Blackwell projetait de construire avait l'air vraiment sympa, mais j'aurais sûrement pas eu les moyens de m'y acheter un appart. Ah, tu m'étonnes, pas avec nos salaires en tout cas. Je peux utiliser de la dynamite maintenant? Ça va être de la bombe! Oh, génial! Un comité d'accueil! On dirait que quelqu'un veut m'empêcher d'arriver jusqu'au putois. Eh bien, on dirait le bord d'une falaise.
pourquoi ce plongeon arrêté là? En fait, au bout d'un moment, on s'habitue à la peur. Aouh! J'ai l'impression que ma tête a été utilisée comme un bélier. Il y a aussi un ascenseur, vous savez. Non. Il faut beaucoup de briques pour cette soupe. Désolé, monsieur, je crois que je vais vous réveiller. Waouh! Il a le sommeil profond. Oh! Que de visages amicaux. Ce coin de la mine était hanté. C'est quoi qui m'a touché là? J'aimerais tant être comptable. J'allume la mèche et je m'éloigne bien. Huh?
Ressaisis-toi, Joe. Souviens-toi que les chauves-souris ont encore plus peur de toi que toi d'elles. C'est logique. Elles sont beaucoup plus petites que toi, avec leurs petites ailes pointues, toutes bizarres, leurs dents pointues. Oh, je veux plus travailler ici. À casser des cailloux et à traîner des rochers. Je devrais avoir le droit de me détendre quand je rentre chez moi. J'ai entendu le patron dire que ça fait 6 jours qu'on n'a pas eu d'accident. Si tout se passe bien, on va pouvoir battre notre record. Jambes, ok. Bras, ok. Tête, ok. Hey, vous savez quoi? Je suis en vie! Encore plus de sales types. Je dois être tout proche du putois. Juste une idée, Chase. Il vaut peut-être mieux éviter de tomber dans ce terrifiant broyeur, non ? Whoa.
trouver ce putois. Oh, un dictaphone. J'y trouverai peut-être un indice. Journal de Fletcher, entrée 3011. J'ai été... Hé ! Qui est là ? Attrapez-le ! Ah ! Boss, je vais cacher son dictaphone. Ils ont eu le putois. Mais je peux peut-être encore les rattraper. Cherche quelqu'un. Hé, hey, derrière toi! Wow. Laissez-le, il ne peut rien contre nous. Mon gars m'a dit qu'il avait trouvé quelqu'un pour nous voler un beau camion neuf, avec les compliments de la police de Lego City. Coupez-moi cette musique! Camion de glace m'est rentré dedans ou quoi? On pourrait le croire, mais non. Vous avez été mis KO, Chase. Une chance que Dunby m'ait envoyé ici. Duke? Je cherchais un mineur, mais... Rex l'a trouvé avant moi. Essaye de ne pas parler. Natalia? C'est pour moi que tu es là. Non. Il va bien. Mais pourquoi alors? J'étais juste dans le coin. Son père a disparu. Quoi? Ne t'inquiète pas, Natalia. Je le retrouverai. Je le retrouverai, sans ton aide. Je n'aurais jamais dû témoigner contre Rex Fury. Si Rex a enlevé son père et que vous comptez aller le sauver, il va falloir apprendre à vous défendre, c'est moi qui vous le dis. Allez voir ce type, il s'y connaît en kung-fu.